Restez là, on va parler tout de suite avec le principal intéressé, le chef intérimaire du Parti libéral du Québec, Marc Tanguay, bonjour. Bon matin, M. Dumont. Bon, qu'est-ce que vous en déduisez ou qu'est-ce que vous en concluez, vous, de cette montée lente du Parti libéral? Écoutez, je pense qu'au-delà du sondage comme tel et du détail du sondage, on peut voir que le Parti libéral du Québec a un positionnement unique, à l'Assemblée nationale notamment. Lorsqu'on parle de finances publiques, je veux dire, c'est pas le Parti québécois, puis c'est pas Québec solidaire, M. Dumont, qui va dire à François Legault que son déficit record de 11 milliards de dollars, c'est inacceptable. C'est pas Québec solidaire ni le Parti québécois qui va faire en sorte de dire la taxe sur le gain de capital, là, c'est une mauvaise idée, faut reculer. Alors, en ce sens-là, on est là pour faire un travail d'opposition officielle. Au parti également, M. Dumont, on a, évidemment, suite au comité de relance qui était co-présidé par Madouane Nicocadet et André Pratt, auquel beaucoup de militants se sont joints, on a suite à cela commencé les colloques régionaux. On est allé à Québec, à Trois-Rivières, à Laval, notamment, il y en a bien d'autres qui s'en viennent. Et ce que l'on voit, là, je peux en témoigner, M. Dumont, c'est qu'il y a des gens qui reviennent au parti. Ils disent, écoutez, on se reconnaît au Parti libéral du Québec. Vous parlez de finances publiques, vous parlez d'économie et des services. Moi, ce qui nous a frappé comme opposition officielle libérale, M. Dumont, c'est le sondage de Léger qui disait que 3 Québécois sur 4 disent on paye des taxes et impôts et on n'en a pas pour notre argent. Et c'est le cas. Puis ça, c'est le Parti libéral du Québec qui a un positionnement unique à faire valoir. Vous devez trouver ça curieux, un sondage qui sort, puis de ne pas nous avoir toute la gang, les médias sur le dos à dire tout va mal au Parti libéral, là? Écoutez... à matin, là, je ferai pas cocorico à matin. Chose okay, certaine, okay. On a beaucoup de travail à faire. On va avoir une course à la chefferie. Et il est clair que je pense qu'on a une pertinence, encore une fois, sur les sujets dont j'ai parlé. Et on peut aussi, M. Dumont, dans certains cas, parler carrément de gaspillage du gouvernement. Je vous donne un seul élément. 396 millions pour augmenter les inscriptions aux études supérieures, notamment pour nos enseignants. Le résultat, après 2 ans, une baisse des inscriptions de 1 100 pour tout le Québec. Alors, on voit que le gouvernement dépense beaucoup, beaucoup. Puis ce qu'ils nous disent, ben on a mis 100 millions, on a mis 1 milliard là-dessus, les résultats sont pas là. Les Québécoises et Québécois n'en ont pas pour leur argent. Puis l'opposition officielle libérale est là pour faire son travail. Comment vous interprétez, parce que dans les, toujours risqués, là, les déplacements de vote d'un sondage par rapport à l'autre, mais on a quand même l'impression qu'il y a un certain retour au bercail pour des non-francophones, exemple des voteurs allophones, qui est allé à Québec solidaire, mais bon, Québec solidaire qui se dit un parti souverainiste, indépendantiste. Est-ce que le Parti libéral est si mauvais ou était si mauvais que même des gens qui sont attachés au Canada ou qui veulent pas l'indépendance du Québec choisissent Québec solidaire plutôt que le Parti libéral? Comment vous interprétez chez Québec solidaire la présence de gens qui sont attachés au Canada? Oui, écoutez, puis je vais laisser Québec solidaire se dépatouiller avec tout ce qui se passe présentement puis de peut-être redéfinir leur ADN. Chose certaine, l'ADN du Parti libéral du Québec n'est pas à démontrer. C'est évidemment le camp fédéraliste. Et en ce sens-là, si le Parti québécois veut nous ramener dans un débat référendaire, bien, il est clair que le Parti libéral du Québec sera le seul parti crédible pour pouvoir, évidemment, défendre les intérêts du Québec au sein de la Fédération canadienne. Alors, on a un positionnement unique, là aussi. Respect des droits et libertés individuelles pour toutes les Québécoises et Québécois. Aussi, on ne fait pas de tergiversation en ce qui concerne ce dossier-là non plus. Alors, je pense que nos membres nous ont dit, M. Dumont, là, durant la tournée là, du comité de relance, nos membres nous ont dit, assumez-vous. C'est quoi être libéral? Bien, c'est l'économie, c'est les finances publiques, c'est donner service, c'est le fédéralisme et la défense des droits et libertés. Puis ça, je vous le dis, là, il est clair que pour nous, on est très dynamisés à porter ce message-là. Et nous sommes à l'aube, d'ici quelques mois, du lancement d'une course à la chefferie où il y aura là beaucoup de débats, puis on aura l'occasion de représenter réellement l'alternative à ce mauvais gouvernement Legault-là. Vous m'amenez là, sur la course à la chefferie. Je sais que la règle, c'était que le chef par intérim n'y allait pas, mais là, dans le sondage, il n'y a pas juste les intentions de vote au Parti libéral qui ont monté. L'appui à Marc Tanguay comme potentiel premier ministre, oups, tout à coup, cette aiguille-là bouge aussi. Pourriez-vous vous laisser tenter, je ne sais pas, céder votre place comme chef par intérim, sauter dans la course contre Denis Coderre, qui semble être le seul, avec votre collègue peut-être, qui est un des députés, M. Beauchemin, qui semble intéressé aussi, mais je veux dire, j'ai l'impression qu'avec ces chiffres-là, vous allez, dans les sondages, là, votre nom va apparaître de plus en plus comme un meneur potentiel.
Ouais, non, Monsieur Dumont, je le dis clairement, la porte est fermée à double tour. Alors ça arrivera pas. Je ne serai pas candidat à la chefferie. Mon rôle de chef intérimaire, c'est de s'assurer justement que le processus soit un processus à la hauteur des valeurs libérales, hautement démocratiques. Alors je serai pas clairement pas candidat. Chose certaine, moi je le prends comme étant aussi. Vous les regardez aussi... même pas là. Vous les regardez même pas ces sondages-là. Ça vous intéresse pas. C'est pas, y a même pas de porte. Alors, il n'y a pas de porte ouverte, à moitié ouverte. Non, il n'y a même pas de porte. Alors, c'est fermé à double tour. Et en ce qui me concerne, on a un travail d'opposition à faire et on a devant nous un processus qui sera hautement démocratique. Il y aura, M. Dumont, puis vous vous rappelez, là, il y a quelques mois, quand je disais ça, il y aura plus d'une candidature de qualité. Les gens étaient dubitatifs. Je vous le confirme. Il y aura plus d'une candidature de qualité. Les membres auront l'occasion de voir à travers 5 débats des candidates et candidats qui vont débattre. Ils décideront c'est qui sera notre chef. Mais là, on va tous se rallier, M. Dumont. Toute l'équipe, moi le premier, on va être derrière notre chef pour se débarrasser de ce mauvais gouvernement Legault-là. Marc Tanguay, merci beaucoup. Au revoir. Merci, M. Dumont. Plaisir.